Alors, je me présente, Madame Mouison Joselita, présidente de l'association Flamme de Saint. Le groupe Flamme, c'est une association. Il y a le carnaval, il y a la fanfare. On fait des prestations et un peu de tout, la culture. Vous êtes dans quelques communes de Marie-Galante? Alors, sur Saint-Louis, okay. À l'ancienne école maternelle. Tatiana, je suis la secrétaire du groupe Flamme. Ben, le groupe Flamme, c'est une association. Nous faisons tout ce qui est des boulets carnavalesques. Nous avons aussi de la fanfare que nous faisons. Donc justement, je profite en fait de votre micro pour faire passer des messages s'il y a des gens qui sont intéressés par la fanfare. Parce que nous recherchons des jeunes comme des jeunes comme moi-même pour justement amplifier le groupe de la fanfare. D'accord. Alors 2020, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé en 2020. Nous avons bien déboulé le carnaval le Mardi Gras. Le Romy Mass, on avait participé aussi, ça s'était très bien passé. Donc malheureusement, bon, cette année avec la crise sanitaire, nous ne pouvons pas nous défouler comme on aurait voulu que ça se passe. Mais bon, nous faisons avec les moyens du bord, tout en respectant les distances d'association et tout ça. Alors comment se passent les répétitions généralement? Ben là, depuis la crise sanitaire, en fait, on a décidé, en fait, la présidente avec les autres membres, qu'on se réunisse, en fait, le samedi, un week-end sur deux. C'est pas parce qu'il n'y a pas le carnaval que nous ne devons pas continuer à faire ce que nous aimons, en fait, le carnaval. Hein. Donc, on s'entraîne avec même les jeunes qui rentrent dans le groupe. Ça leur permet aussi d'intégrer, en fait, l'association pour mieux préparer le carnaval 2022. D'accord. Parce que nous sommes en janvier, effectivement, 2021. Comment ça se présente, ton ressenti? Ben, mon ressenti, c'est vrai que moi personnellement, j'aime le carnaval. Je ne vais pas vous cacher, hein, ça me manque. Mais je me défoule à travers les répétitions. En tout cas, j'aime bien le groupe, l'association. Ça fait déjà plus de 4 ans que j'y suis dedans. Et j'aime bien la mentalité en fait des membres. Je dis que je suis un musicien à niveau de musique. Je pratique que le carnaval. Je dis que le carnaval et puis des orchestres aussi. Ça c'est traditionnel, c'est dans l'Antiquité. Avec les jeunes, ça se passe bien. Ça se passe bien. Travailler à niveau d'orchestre clair, à niveau tout, la basse et tout. Le saxophone, j'ai commencé le saxophone très tôt. J'ai commencé avec mon père. Mon père, mon frère, mon beau-frère, c'est la sainte famille, disons, dans l'Antiquité, musicien. J'étais élevé dans la musique.
Alors, je ne vois pas pourquoi je ne peux pas quand même le transmettre aux autres, surtout aux jeunes. Je le transmets beaucoup de choses, beaucoup de trucs. Et la musique, j'aime bien la musique. Ceux qui habitent quand même, on ne retrouve pas beaucoup de jeunes qui s'intéressent au niveau de saxophone. J'aurais bien aimé retrouver des jeunes, que cela les intéresse à apprendre à jouer, à apprendre tout. Mais c'est dommage. Mais quand même, j'ai retrouvé un tout petit qui fait de mon cousin qui est intéressé. Comment as-tu rencontré justement le groupe Flamme? Eh bien, nous avons fondé le groupe Flamme, c'est avec Monsieur Cornano, Madame Gemmins, avec Madame Maison et Monsieur, comment il s'appelle encore? Monsieur Kouazik. Je m'appelle Mathias Joudros, je fais la sécurité du groupe Flamme. Alors, comment ça se passe justement sur les routes et tout? Comment tu assures la sécurité? J'assure. Et depuis quand justement? Ça fait 2 ans que je fais la sécurité du groupe Flamme. J'étais danseuse dans le groupe Flamme. J'ai décidé d'arrêter pour un petit moment et de faire la sécurité. Ça se passe bien de mon côté, mais il y a certaines personnes qui ne savent pas respecter leurs priorités. Donc du coup, il faut vraiment parler aux gens pour qu'ils puissent comprendre que ouais, il faut respecter même les groupes. Il y a certains groupes qui ne savent pas respecter les gens, donc du coup c'est pas facile, mais il faut avoir beaucoup de responsabilités pour pouvoir faire ce truc, hein, vraiment. Alors tu as dit ça fait déjà 2 ans? Ça fait 2 ans. Ok, et maintenant pour 2021, donne-nous ton impression de ce qui se présente, parce que 2020, alors parlons déjà de 2020, comment ça s'est passé, parce que c'est qu'il y avait le carnaval de toute façon, comment ça s'est passé justement 2020? Ça a été super, sans faute, un sans faute pour l'association Flamme, un sans faute en 2020, 2021 maintenant, avec le corona là, ça n'a pas été possible de défiler, mais j'espère qu'en 2022, que ça sera possible. Mais sinon, en 2020, ça a pété. J'adore mon groupe. Je suis love de mon groupe et je ne quitterai jamais mon groupe. Super. Mon nom, c'est Baba Betana. Donc, je suis musicien flamme, basse. Je suis entré en flamme depuis décembre. J'ai défilé depuis en 2019, en 2020. J'ai défilé en 2018. Je me sens bien en flamme, je me sens à l'aise. Quel instrument tu joues? Ben basse. Bonsoir, je me présente Véran Sullivan. Je joue de flamme ça, cette année, janvier 2021, ça va faire 4 ans. Je joue dans la famille des percussions depuis 4 ans aussi. Combien de musiciens dans le groupe? Je ne peux pas vous donner un nombre exact parce que il y a des enfants qui rentrent dans le groupe en ce moment, donc je ne peux pas vous donner un nombre exact. Toi, tu joues quel instrument, tu as dit? Moi, je joue de la caisse claire. J'ai commencé à jouer à de la caisse claire il y a 3 ans. Et ma première année dans Flamme, j'ai joué de la tom. C'est toujours dans la famille des percussions. Dans le groupe, je me sens bien. C'est bon. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à venir.